s'appelle. Oui. Hey, bonjour à tous, c'est Olivia et Aiko de The Flash Dogs. On se retrouve pour une vidéo pour vous montrer comment faire des tours, faire des choses avec son chien sans les friandises. Savoir que la friandise c'est une récompense, tout comme le jouet, la récompense vocale, la caresse, en fonction de ce que préfère le chien. Il ne faut pas se comparer aux autres, parce que si on voit quelqu'un travailler avec un jouet et que vous vous dites purée, il arrive à travailler sans friandise, c'est incroyable, mais il n'a pas forcément plus de mérite que vous, parce qu'il travaille avec la récompense en main, tout comme vous, vous travaillez avec les friandises en main. Par exemple, moi, Owen, elle déteste les friandises, j'ai vraiment du mal à travailler avec elle avec des friandises. Et par contre avec un jouet ça va super, là elle est vraiment motivée. Il y a des chats qui vont préférer une caresse alors que les miens ils s'en foutent totalement si je les caresse, c'est pas considéré comme une récompense pour eux. Donc tout dépend de votre chien. Il faut utiliser la récompense qui lui fait le plus plaisir et qui le motive le plus. Ce qui est important, ça va être de toujours récompenser son chien. Sa motivation va baisser et c'est vraiment dommage. Le chien va pas travailler par plaisir. Donc le tout, ça va être d'espacer ses récompenses tout en gardant cette motivation. C'est juste que ce sera un peu plus long avant d'avoir sa récompense, mais il faut toujours qu'il en ait une, que ce soit un jouet, une friandise, etc. Donc comme Aiko, sa récompense préférée, c'est les friandises. Le but, ça va être qu'il travaille pour quelque chose qu'il aime bien. Donc vous les mettez soit dans une pochette, donc ça doit pas être visible pour le chien, soit vous les mettez encore mieux dans votre poche. Hop, vous pouvez même montrer au chien que vous les mettez dans votre poche. C'est pour Aiko ça. Comme ça vous avez vos mains libres, le chien voit que vous n'avez rien, mais qu'il y a quand même des récompenses qui sont à la clé. Et vous allez demander un truc vraiment simple que le chien connaît parfaitement. Aiko debout. Ici par exemple on va faire un assis. Aiko assis. Yeah, super. Et voilà, et vous sortez seulement après la récompense pour lui donner. Aiko debout. Yeah, super ça. Très bien. Donc là déjà dites-vous que c'est déjà génial parce que vous avez su travailler votre chien sans rien en fait. La récompense est venue seulement après. Il faut pas aller trop vite au départ, vous lui demandez simplement un tour et vous récompensez. Aiko touche. Yeah, bravo. Aiko tourne. Yes, super. Donc vous pouvez commencer à espacer petit à petit et à faire plusieurs tours. Donc au début vous en faites 2, 3 et voilà, vous allez pouvoir augmenter petit à petit mais toujours sans frustrer le chien. Aiko tourne. Et twist. Yes, super. Très très joli. Colle la patte. Oui, tour. Twist. Assis. Fais le go. Yes, très très joli. Du coup, vous voyez ici que Aiko est hyper motivé alors que pourtant j'ai pas les friandises en main et qu'il est très 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 gourmand et qu'il a du mal à se détacher de ça. Si votre chien n'aime pas les friandises et que vous travaillez uniquement avec un jouet, c'est le même principe. Vous pouvez mettre le jouet dans votre poche et vous le sortez seulement à la fin. Donc voilà, je pense vraiment que vous pouvez y arriver et tout le monde peut y arriver. Mais bien évidemment, c'est un travail qui va demander du temps et de la rigueur aussi. Ça va pas se faire en un jour, évidemment. Go, top là. Yeah, bravo Aiko. Passe. Oui, passe. Ouais, passe. Yeah, bravo. Assis. Yes, super. Oui, passe. Cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On fait plein d'autres vidéos, donc c'est The Flash Dogs. A très bientôt. Assis. Fais le passe. Oui, il passe. Oui, il lève.